Salut, c'est Kaliana! Et ça y est, il est là, Assassin's Creed Odyssey. Allez, c'est parti! Langue français, 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 sous-titres. Pas de vibration. Voilà. Le Nidas de Mon roi, nous Sparte. sommes prêts. Dis-moi, Dianekès. Il a pris un coup de vieux, Tu es hein, déjà allé Nidas. pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant! Les Perses sont venus ici, avec la prétention de nous asservir! J'ai une meilleure idée! Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux! Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils! Pour nos filles! Et pour Sparte! Lancer le bouclier. Envoyons-les, on
fait un contre. Je me servais du mauvais bouton. Primer, il est volé. Non, non, pas lui. Voilà, lui. Ça, c'est un finish à la Origins. Allez, le coup de pied. Non, c'est pour lui seul. Allez, te dégage. Ces moutons au sacrifice! Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxes, Spartiate insolent! Viens la chercher! Mon fils se
pas mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès. Les fils de Sparte préféreront la mort. J'accorderai cette faveur. Il te pavane moins sans ton armée pour te protéger. Alors, pourquoi saignes-tu autant? Rien ne résiste à Sparte. Nous sommes des Spartiates. Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aurait anéanti ta nation. Oh! Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin. Mais ces machines, elles étaient dans l'opus précédent, elles. Waouh, c'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. On va jouer en facile. Non. C'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Alors, mon idée. Une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence, les objectifs de quête vous sont automatiquement transmis. Mode exploration, une approche plus neuve du style de jeu... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo... On s'en fout, lancez le jeu. D'accord, de toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. On joue la fille. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle.
D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance. 300 ans avant Origins. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Oh, c'est joli. Là, ça fait mal aux yeux. Là. Ah bah c'est nu, qu'est-ce que tu fais là? C'est nu, elle est immortelle, hein. Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière. Malaka. Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir. Ah, on peut parer dans celui-là. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme inquisiteur, dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas du Cyclope. Ah, putain. La semaine dernière... Chaque semaine, c'est pareil. Oh, je commence à en avoir assez. Merci de m'avoir prévenu. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Sers-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra? Tu pourrais peut-être lui demander? Moi, je demanderai. D'accord, j'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Quoi? Un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble?
Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Quoi? Il me doit du pognon? Ça va pas se passer comme ça. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos? C'est un peu plus au sud. Bon, on va y aller. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoïbé. Non, j'ai pas d'argent, casse-toi. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête. Choix. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Bah, cassez-vous. Dégagez. Et dites au Borne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Bah, c'est joli. Marco savait que ce serait utile à la jeune Cassandra. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça. De l'argent. Récupérez votre équipement. Je ne me laisserai pas surprendre une seconde fois sans armure. Je vais enfiler ça. Mon terre. Tune de Mythios. Ceinture de Mythios. Arc brisé. Oh. J'ai pas de cheval. Bon, on y va. Epica lumes, mancar polion. Ne t'en fais pas. La voilà. Vous avez pas compris la dernière fois? Arrête-toi, on va t'égorger. Ah bah bravo. Je vous épargne. Oh putain. Faites ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Parce que si vous êtes proche, attends, je vais juste. Voilà, lui lutter. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Oh.
Une sous-qualité. Je sais pas ce qu'il fait le chien. Beau temps incendié. Je fais un tas de sanctionnement. Ok. C'est un peu comme les parchemins. On peut pas voler, on peut pas piller. Ce jeu est nul, on peut pas piller. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir, tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Cassandra, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Mais ce n'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu connais rien. Tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite! Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, ma chère, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend à Samy, c'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, où est-il? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Cassandra? Il y sera. Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? Et comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors menacer les gens, mettre deux ou trois claques ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Prendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien, mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, ma chère, bien sûr. Je te laisse choisir. Thank you.
cheval de gauche. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, ma chère. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, ma chère. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Et celui de droite? Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Je prends celui de gauche. Celui de gauche. Ah, c'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Moi, j'aime bien celui-là. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi, tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment, Phoebe a été enlevée. Par qui? Par les hommes du Cyclope, qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Climène. La plage? Elle sait nager? Je vais la retrouver. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Cassandra. Allez, allez. On peut toujours filer des coups. Hey. Les voilà. Je vais surprendre ces malakès. Tais-toi, ou je resserre ces cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Oh, tais-toi, Phoebe. Oui, je sais que... comment ça prend. Caché dans ces hautes herbes. Oui, ça aussi, je sais le faire. On ne peut pas laisser s'enfuir tous ces malakès. Qui a fait ça? Il y en a qui m'a... Ce Marcos, il sera le suivant. Il est temps de libérer Phoebe. Cassandra, je suis là. Détache-moi. Ah.
Excalibur. 6. Dégâts guerriers. Et moi je bouge. Tu n'as rien ? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebé, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi ? La mort de mes parents ? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça! Accroche-toi! Tu peux l'avoir! J'ai eu! Encore! Debout! Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi! Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nikolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir, on mange du Alexios. Ça va être un beau festin. Non, pas lui, choisis-moi plutôt, j'ai de bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons, l'agneau va brûler. Tiens, dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense, les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir morte. Talos le mercenaire ? Décidément, ça ne s'arrête jamais. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurai rentrer toute seule. Kéré ! Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Alors, on vous traque. Les chasseurs de primes tels que Talos sont des mercenaires hostiles qui vous traqueront tant qu'il existera une prime sur votre tête. Il est généralement possible de payer des primes, mais le cyclope refuse cette solution. Point de pierre qui est niveau 5.
Le menu des mercenaires permet d'examiner votre classement, les récompenses propres à chaque échelon, ainsi que l'état, les points forts et les faiblesses de tous les mercenaires, les chasseurs de primes connus. Le niveau de Talos s'étant élevé, il vaut mieux l'éviter jusqu'à ce que vous ayez atteint un niveau suffisant pour l'affronter. Ok. Voir la carte. Oula. On va aller là. Aïe. Allez. Allez. Allez, on va monter sur Zeus. Une belle vue. Attends, petit problème de son. On va essayer de descendre sans se péter une jambe. Voilà, alors. Niveau 2. On peut vous monter d'être niveau 2. Niveau 2. On va aller faire le recouvrement de dette.
Allez! Samy, Doris sera à son écharpe. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes? Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Le double? C'est du vol! C'est ce que j'ai dit à Marcos! Eh, hey, tu le connais, c'est pas un tendre. Alors autant le payer qu'on n'en parle plus. Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant une mercenaire ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais morte. Qu'il t'a recueillie quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Désolée, mais je veux mon argent. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le Cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Cassandra, content de te voir. Allons-y, cassons. Cacan, mais arrête. Très bien. Voilà l'argent! Mais va-t'en! C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom! Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer! Où calites tout aussi? C'est le travail qui t'amène, Cassandra. Non, c'est quoi ça? Pour agir. Travail de mercenaire. Voilà. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande mystios, Marcos. Il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème, je vais trouver l'argent. Bien, sinon je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Cassandra, je vois à ton sourire que Doris t'a rendu ton argent. Quel sourire? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Allez, on trouve l'argent. Maintenant, on n'a plus le choix. Il nous faut un plan. Ah, ça, c'est mon domaine! Et je ne parle pas de tes manigances habituelles. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Cassandra! Alexios! Thank you.
poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein. Oh. Ah. Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu étais orpheline, miséreuse, et te voilà Mystios avec un toit. Ouais, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée, un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla, je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Sans commentaire. Elle parle peu, mais elle est terrible. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée! Pour ma part, je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Mandy gagne alors, j'imagine. Tu prends pour qui? Bon Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Niveau 2. Alors, niveau supérieur, récupérer des points d'expérience vous fait passer au niveau supérieur. Donc, aptitude à y penser. De nouvelles aptitudes sont probablement débloquées et peuvent être des termes améliorés. Ok, le niveau 15. Alors. Sixième sens. Ouais, j'aime pas trop les temps ralentis. Ah, ça c'est bien, ça c'est drôle quand même. Ok. Moi je vais prendre le coup de pied. Adrénaline. De nombreuses aptitudes sont alimentées par l'adrénaline qui s'accumule, notamment en portant des coups, en esquivant et en parant les attaques ennemies. Lorsqu'une aptitude est utilisée, un segment d'adrénaline est dépensé et doit être accumulé de nouveau. Okay. On va le mettre là. Voilà. Ah!
Le bois aux abords. Voilà. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une le... D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple, il dure plus longtemps et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Je vais m'occuper de ça. Allez, on y va. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha ! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. C'est où ? C'est là-bas. En avant. Allez. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas, nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Ouh là là. On va se barrer parce que lui, il est dangereux. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Le campement de bandits que je cherche. Faut que j'approche discrètement. Il est un peu trop fort. Un petit chien. Faut aller voir ça. À l'abri ! Oui.
voleur. C'est un archer qui a eu. Rien de ce côté-ci. Ah. Eh bien, reste à l'affût. Je viens te chercher, mercenaire. Où se met ça? Mais qu'est-ce que... Le mec, il a réagi direct. Hey! Elles sont plus réactives que dans Origins. Hein. Personne ici. Personne par ici. Caché. On me voit, mais je suis caché. Oh non, je vais aller voir si c'est grave. Comment fait-il ? Vite ! De ce côté ! Mieux de rapporter du bois comme preuve. Ou cette vieille folle ne me croira pas. Pars-toi, loulou. S'il en reste un là-bas.
Démontage d'équipement inutilisé. Alors, attends. Bon, elle est moche, mais elle est plus... Bon, attends. J'ai eu des brassards. Voilà. Avance. Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire? Mais j'ai une preuve. Je n'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Ensuite, quête. Voilà, les peaux de loup au client. Voilà. Je l'ai faite sans le savoir, mais bon. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. J'aurais dû me douter, Ilos, que c'était toi qui voulais ces peaux. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Cassandra est toujours sur la brèche. Ne le dis pas à Marcos, il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours la première. À quoi serviront les peaux cette fois? Les Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux et richesse pour moi. Voilà, elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement, tu l'as mérité. Évite les ennuis, Ilos. Et toi, suis les conseils que tu donnes. Mais bien.
aptitude. Ça par contre c'est pratique. Ça. Je peux t'aider ? Alors, vraiment. Je peux acheter. T'as pas des lances ? Niveau 2 requis, double gant, une apparence pour le cheval. Pour s'aggraver. Plus 2 dégâts de chasseur. Ok. Bonne journée. Oh, peut-être améliorer les armes. Il manque du bois. Il manque du fer. Il manque du fer. Bonne journée, Mistios. On va aller faire ça. Quoi qu'il... Y'a pas de quête. Il est stylé, lui. Bon, si je zigouille, ça va pas le faire, mais... Y'a rien. Alors, quête. On va aller visiter un peu. Allez. Hey. Tiens, il y a deux trésors.
Le lieu sera bien défendu. Qu'est-ce que c'était? Bon, ça va, ils sont au niveau 3. Ce bruit, ça vient de quelqu'un. Ils sont un peu cons, hein. Ah, de nouvelles armes. Tu m'as pas vu. Elle est là. Ouvre-toi. Oh, tu m'as poussé. Tiens, voilà. Non. Oh, ça méritait un coup de pied dans le cul, hein. Là, il y a le mec. C'est quoi de ça, quoi? On va aller là. Vas-y. Allez.
ensuite... Tiens, on va aller là. Il s'est barré, mon cheval. Allez, on y va. Quel niveau, hein? Ma technique spéciale, vous pouvez pas test. Ah putain. Eh, amène-toi. Tiens, un coup de pied. Tiens, double dose. Une torche, waouh. Phobos.